Bonsoir, bienvenue. Ça, on a tout essayé. Ce soir chez vous, Perry Cochin, Jean-Luc Lemoine, Isabelle Motreau, Stevie Boulet, Gérard Miller et Annie Lemoine. J'ai un peu insisté sur le nom d'Annie Lemoine pour qu'elle soit particulièrement applaudie parce que je sens qu'il faut lui remonter le moral. Je la sens pas bien aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Elle est arrivée chiffonnée. Ça va pas. Qu'est-ce qui va pas dans votre vie, Annie? N'importe quoi. Mais non, mais voilà, Perry, tout va bien. Je t'ai trouvé en super forme, au contraire, depuis ce matin. Avant le maquillage, mais depuis. Non, c'est gentil. Non, mais tout va bien. Non, mais moi... Je la connais, mon Annie, et je lis sur votre visage qu'il y a quelque chose de différent par rapport à la dernière fois. Elle est enceinte. Ah, peut-être. Ah, ce serait super. On aimerait bien. Il n'y a pas suffisamment de grossesse ici. Ah, c'est vrai. C'est pas qu'on aime bien que... Mais c'est que pendant ce temps-là, ça fait 9 mois où on peut en mettre une autre à la place. Ça... Il n'y a pas assez de grossesse parce qu'il faut le dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, on ne couche pratiquement pas les uns avec les autres. Ou alors entre hommes, alors évidemment. Ça... Je voudrais juste préciser pour mes parents, ils déconnent. Voilà. Vous avez remarqué que les pères et les mères de famille sont de ce côté-là, et là, au contraire... On n'arrive pas à se reproduire, c'est pas de notre faute. Quoi. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Cette photo, évidemment, c'est celle de Michael Jackson, déclaré innocent par le jury de Californie. On l'a appris dans la nuit. Notez bien, ça ne change pas grand-chose. Hein. Jusqu'à hier, il était présumé innocent. Maintenant, il est présumé coupable. Et oui. La justice américaine ne nous dit pas, en tout cas, si les enfants qui ont accepté de dormir dans son lit vont tous être enfermés pour détournement de majeur. Allez savoir. Michael Jackson va en tout cas pouvoir reprendre normalement la carrière de chanteur qu'il avait. Une tournée des plages est prévue avec le père Lefort dans les clubs Mickey jusque fin août. Gérard ? Non. Ah non, après un mot comme ça... Le père Lefort est présumé innocent. Oui, je ne veux faire aucun commentaire. Ce que je dis est tout à fait vrai, c'est-à-dire que malgré le jugement qu'il a rendu innocent, il restera dans la tête des gens toujours présumé coupable, c'est comme ça. Mais heureusement qu'on n'est pas jugé dans la tête des gens, parce que j'ose pas vous dire qu'est-ce qui vous arriverait de temps en temps à vous. Alors vous pouvez parler. Une autre photo maintenant, celle du président Chirac, pour qui le Bourget n'a plus aucun secret, tellement il connaît des bas en ce moment. On voit là notre président et tout son équipage descendre de l'Airbus A380. C'est pas très rassurant comme photo. Hein. Si c'est lui qui pilote, le plus difficile, ça va être de trouver des volontaires pour monter dans l'avion maintenant. Hein. Le président a en tout cas qualifié l'Airbus de superbe réussite européenne. Il a failli ajouter, on voit bien que c'est pas Giscard qui a fait les plans, mais il n'a pas osé. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas tout à fait comparer cet avion à la Constitution européenne, puisque la Constitution européenne, c'était un Mirage, pas un Airbus. Gérard. Moi, j'attends avec impatience la possibilité de faire un vol dans cet avion. Mais vous voulez piloter, j'ai pas compris. Ah non, pas piloter. Déjà, être passager, écoutez, c'est formidable. Faire hôtesse de l'air. Voilà. Je suis sûre que c'est un vieux fantasme de Gérard. Hôtesse de l'air dans un Airbus. Oui, mais il peut plus, il est trop vieux, il a 62 ans. Donc Qu'est-ce qu'on vous embête, mon Gérard? Qu'est-ce qu'on m'embête? Restons dans les problèmes européens avec la visite de Tony Blair à Paris aujourd'hui. Le Premier ministre britannique ne veut pas augmenter la contribution financière de son pays à l'Europe tant que les dépenses de la politique agricole commune n'auront pas été révisées à la baisse. Monsieur Chirac lui aurait répondu « On va pas réformer la PAC, on a suffisamment été emmerdés avec le lundi de Pentecôte ». Ah, ils nous emmerdent, hein, ces Anglais, Gérard. Oui. Nous, on soutient le président de la République. Moi, dans ces cas-là, je donc, suis... Donc, toi qui as voté non, bah, en même temps, il a raison. Non. Regarde, alors... regarde dans quel état on est maintenant face aux Anglais. Tu penses que c'est lié au non? Mais évidemment, c'est lié au non. Mais qui gagne de l'argent n'a pas envie de payer forcément pour les autres pays. Et c'est normal. Justement, puisque l'économie anglaise marche bien, il n'y a pas de raison que l'économie anglaise donne moins d'argent à l'Europe que les autres pays, puisque à l'époque où on leur avait accordé un rabais sur leur contribution financière à l'Europe, l'économie anglaise ne marchait pas bien du tout. Et c'est Margaret Thatcher qui avait obtenu un rabais, une réduction sur l'argent à verser à Bruxelles. Elle était moins conne que les autres. Est-ce que vous
voudriez dire que Stevie a dit une connerie. Non, non, parce que c'est quand même une partie de la vérité. Une partie seulement. C'est une partie de la vérité. À deux, on a tout. Voilà. Une autre photo, celle de notre premier ministre qui, hier, recevait à Matignon le premier ministre ukrainien, Madame Yulia Tymoshenko. Monsieur Villepin, on le voit, est en train, sur ce canapé, de se demander à Madame Yushchenko la recette du plat qui a empoisonné Yushchenko pour le resservir à Sarkozy. Elle est marrante, regardez-la bien comme... Elle est jolie, hein, cette femme, hein, avec sa galette des rois sur la tête, sa jupe à pois et les chaussures de Daisy Duck, ça nous donne envie de faire une révolution orange pour avoir la même à la maison, hein. Elle arrive là alors qu'on vient de dire non, effectivement, à l'Europe. Donc elle tient des conclusions. Arrête de dire qu'on a dit non à l'Europe. D'accord. Mais donc on lui demande à elle, on lui dit, alors ça vous gêne, ça vous handicape, le non français. Elle répond non, simplement il faut faire attention à ce que pensent les peuples. Il faut les écouter plus attentivement. Elle vient d'un pays où on peut penser qu'elle sait ce qu'elle dit aussi. Elle est issue de la Révolution. Tout ça est passionnant, voilà. Enfin bon, je sais pas, c'est... Si, non si, c'est passionnant. On revient un instant sur la libération de Florence Aubenas, la journaliste de Libé, revenue à temps, il était temps quand même, revenue à temps pour voir le premier épisode de la saga d'été Dolmen sur TF1. Comme elle ne manque pas d'humour, quand on lui a demandé si elle comptait prendre des vacances, elle aurait répondu « Je vais prendre le mois de Julia et peut-être aussi le mois d'août ». Une autre photo publiée ce matin par le journal Le Parisien. Regardez, tout le monde croit que c'est un dirigeable pour surveiller l'Île-de-France, mais en fait, pas du tout. C'est Régine qui est malade dans la ferme et on lui livre son premier suppositoire. Comment tu peux faire ça ? Enfin, celle-là ! Comment... La tête de Gérard ! Ce que j'aime dans ces cas-là, c'est la tête de Gérard. Mais parce que Gérard a dit « Oh merde, je ne l'ai pas trouvé avant !» Et non, c'est pas ça, c'est que je connais le réalisateur de cette émission. Souvent, quand vous faites ce type de blague, il me cadre à ce moment-là pour me rendre complice, c'est pour ça. Et là, tu ne veux pas être complice de ça? Non, non, non. L'idée qu'un suppositoire de cette taille puisse rentrer dans les fesses de quelqu'un, non, mais excusez-moi, mais et vous vous rendez pas compte du truc? Si, si, justement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... C'est le PSG qui va être content d'apprendre qu'on peut enfin diriger un ballon. On termine par la diffusion ce soir sur France 2. Pour la première fois, ne loupez pas, si vous n'avez jamais vu ce film, pour la première fois en clair sur France 2 ce soir, L'Auberge espagnole, dont la suite, Les poupées russes, sort demain d'ailleurs sur les écrans de cinéma. C'est vraiment une bonne occasion de voir ou revoir ce film pour aller ensuite dans les salles voir Les poupées russes. C'est un film, vous savez, où de jeunes Européens nous font vivre leur cohabitation. Un numéro 3 d'ailleurs est déjà en cours de tournage qui s'appellera Le plombier polonais sonne toujours deux fois. Le film réunira José Bové, Laurent Fabius, Olivier Besancenot, Philippe de Villiers et plein d'autres noms célèbres. Depuis le 19 mai, vous pouvez aller voir Les uns chez les autres au Théâtre Marigny à Paris, une pièce d'Alain Eckborn, adaptée et mise en scène par Gildas Bourdet avec entre autres Marie-Paul Koums et Laurent Lafitte que nous allons recevoir dans un instant. Les uns chez les autres, ça n'a rien à voir avec le film de Claude Lelouch qui lui s'appelait Les uns et les autres. C'est un vaudeville qui explore le sujet inépuisable et très en vogue des dysfonctionnements à l'intérieur du couple. Pour tester ensemble cette pièce, pour laquelle le bouche à oreille, il faut le dire, est excellent. Accueillons tout de suite Marie-Paul Koums et Laurent Lafitte. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Les uns chez les autres au théâtre Marigny. La particularité de cette pièce, outre, j'imagine, l'excellence du jeu des comédiens, c'est la mise en scène, mais mise en scène qui a déjà été écrite dans la pièce d'Eckborn. Oui, c'est indiqué dans le texte. C'est-à-dire que les deux appartements des deux couples principaux sont mélangés. Donc on a l'unité de lieu qui est mixée sur le plateau. C'est-à-dire que les comédiens, les personnages se croient sans pour autant faire partie de la même scène. Voilà. Voilà, les comédiens, évidemment, doivent se voir, mais les personnages ne se voient pas. Et c'est ce que Gildas a fait, mais qui respectait tout à fait le cahier de scénographie de l'auteur. Gildas, c'est Gildas Bourdet. Gildas Bourdet, l'auteur Alain Eckborn. Ils sont comme ça au théâtre, ils s'appellent par leur prénom. Ils sont très... C'est que les deux appartements, c'est pas, si vous voulez, un décor d'un côté, un appartement d'un côté, un appartement de l'autre. Ça va un peu plus loin, puisque sans cesse, il y a un fauteuil des Philips, un fauteuil des Foster, une table. Donc vraiment, on est sans cesse, et c'est assez déroutant, je pense, pour le public au départ. Philips et Foster étant les couples. Étant les couples. Voilà.
Des couples qui se trompent. Les propriétaires des deux appartements. Et qui travaillent tous, en tout cas pour les maris, je crois, qui travaillent tous dans la même entreprise. Ah, absolument. Vous-même, d'ailleurs, je crois que vous couchez avec la femme du patron. Je couche avec la femme de mon patron. Ouais. C'est pas bien. Ça vous est jamais arrivé à vous. Pardon ? Ça vous est jamais arrivé. De coucher avec la femme du... Avec le patron, oui, mais la femme, non. Il paraît que la rumeur, enfin franchement, on n'entend que du bien, c'est pourquoi on avait vraiment envie de vous inviter, pour pas le faire après les autres. Annie Lemoine et Gérard Miller vont peut-être me confirmer, mais je lis là les critiques, c'est assez rare. On s'amuse toujours, les attachés de presse font ça très bien, à découper les trois bonnes phrases. Les trois bonnes phrases d'une critique qui, elle, n'est pas forcément toujours bonne, mais enfin là, ça a l'air formidable. Spectacle hilarant dans Urban, France Soir magnifique, absolument génial dans le Figaro Magazine, un rythme endiablé, on rit beaucoup à rendre jaloux Fédo et la biche dans La Croix, Pariscope réjouissant, enfin bon bref, que des compliments. Annie, est-ce que vous confirmez tout ça? Ah oui, vraiment, c'est une pièce qu'il faut aller voir, enfin qu'on peut recommander, parce qu'on y prend un grand plaisir. Et c'est vrai qu'il faut dire à quel point l'auteur est génial sur ce coup-là, parce que le casting est excellent, vous êtes formidable, bravo. Mais l'écriture est absolument spectaculaire, quoi, parce que je crois que c'est le Daily Telegraph, parce que c'est un Anglais qui a écrit, qui dit que c'est une perfection, une précision quasi mathématique. Mais c'est tellement vrai, parce que vous avez des dialogues qui se chevauchent au début, il y a deux couples sur scène, hein, comme vous l'avez expliqué, et puis le troisième couple arrive. Et alors là, ça devient très compliqué, parce que vous, qui faites partie du troisième couple, vous jouez avec tantôt l'un couple, l'un des deux couples, et tantôt l'autre. Chez les Foster ou les Philippe. Donc c'est très rapide, ça pulse, etc. Et le rire est au rendez-vous. C'est sur l'infidélité, c'est vrai, mais c'est l'infidélité sortie de tout ce qu'on connaît, nous, dans le boulevard, quoi. Mmh. C'est sorti de Fedo, sorti de Guitry. C'est tout à fait nouveau et ça va à 200 à l'heure et vous êtes excellent. Gérard Miller, vous l'avez vu aussi? Alors, je l'ai vu aussi. Le vaudeville, en général, c'est irracontable. À plus forte raison, cette pièce, il faudrait presque la voir deux fois. Au début, on est un petit peu surpris par ce qui se passe. Même si on connaît le principe, on a besoin d'un petit temps d'acclimatation. Et donc, j'ai vraiment commencé à rire après le premier acte. Cela dit, comme il y en a un certain nombre, on ne s'ennuie pas jusqu'à la fin. C'est tout à fait réussi. Et je pense en effet qu'il y a une originalité qu'on n'avait jamais vue sur le théâtre. C'est simple. Mmh. J'ai vu beaucoup de pièces de Pierre Corneille ou de William Shakespeare. Mais celle-là, je dois dire, c'était vraiment très réussi. Bravo. Marie-Paul, allez-y. Alain Ecborne est un auteur qui, enfin, je suis loin d'avoir lu tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit énormément, c'est un auteur d'anglais. Il a été adapté par Michel Blanc il y a peu de temps, avec une pièce qui a eu de nombreux Molières. Ah oui. C'était La Bruyère. C'est un auteur qui utilise souvent, au-delà de, c'est en général des comédies qu'il écrit, mais au-delà de la comédie ou du boulevard, peut-être classique, entre guillemets, il utilise souvent une technique qui est très ludique et qui fait appel vraiment au théâtre. Donc ici, c'est les deux lus en même temps, et puis à l'acte 3, c'est même deux soirs en un, ce qui fait qu'effectivement, on est sans cesse d'un côté et de l'autre. Il y a eu une époque que je n'ai pas connue, malheureusement, où paraît-il, c'est lorsqu'on allait au cirque, il y avait plusieurs cirques à la fois. Et donc, on était tout le temps en train de chercher de quel côté il fallait regarder les comédiens. Est-ce que c'était le lion que vous vouliez regarder? Est-ce que c'était l'acrobate? Il y a un peu ça dans la pièce. Par moment, on vous suit, vous, et puis on perd un petit peu quelque chose un de l'autre côté. Un peu comme ici, on vous écoute, mais on préfère regarder quelqu'un d'autre. Voilà. Mais moi, j'ai très envie d'aller voir la pièce parce que, un, j'adore l'humour british, c'est un humour anglais puisque l'auteur est anglais. J'aime bien les rebondissements, les trahisons, les mensonges, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne et qui me fait rire. Alors moi, j'aime bien le vaudeville, je le dis haut et fort, j'adore ça, c'est mes pièces préférées. Et deux, vous, je vous ai déjà vu quelque part. Mais alors, j'ai regardé tout ce que vous avez fait et c'est pas là que je vous ai vu. Alors, où je vous ai vu? Je ne sais pas, dans le loft. Où habitez-vous? Non, bah, j'habite au Mans. Non, mais je vous ai vu quelque part. Bah, je ne sais pas. Mais non, je tu sais pas quoi, il ressemble à Michel Lem. Oui, mais non, tu sais quoi? Mais oui, mais même j'attendais. Allez-y. Faites-moi le chinois, voir. Allez-y. Je le fais dans la pièce. Il y a un petit entracte, je fais le chinois, la machine à écrire, je fais pas de choses. Venez. Je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit. On me dit depuis que j'ai à peu près 15 ans, donc j'apprends à vivre avec. Vous avez fait oui, tiens, c'est vrai, j'avais oublié. C'est ça, classe Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Stevie, ça peut être que ça, parce que je cherche, regarde. Mais alors, c'est pas sur mon CV, donc voilà, c'est ça. On a tous nos casseroles, je crois que. Oui, mais c'est pas une casserole. Pourquoi vous avez gommé ça de votre CV? Parce que c'est pas la chose dont je suis le plus fier artistiquement. Non, et puis après, c'est pas bien de dire ça, parce que des séries comme ça, nous, ça a été notre jeunesse. Moi, Hélène et les garçons, j'ai regardé. Classe mannequin, j'ai regardé. J'adorais les choses. Étant jeune, j'adorais des choses qui étaient lamentables. Donc je dis pas qu'on peut pas aimer. Vous l'avez effacé de votre CV, je serais fier, moi, d'avoir fait classe mannequin. Parce que j'ai bien fait le love. Toi, oui. Parce que ça te. Tu vas te prendre une petite note dans le tarbouif. C'est parce que ça vous correspond. C'est pour ça. Ça est bon, vous avez vu quelque part. C'est
étiquette qui n'est pas forcément flatteuse. Après, c'est un peu difficile. Bah, en plus, surtout quand on fait d'autres choses. Après, moi, je suis rentré au conservatoire. J'essaie vraiment de me crédibiliser en tant qu'acteur. Et voilà, on est là devant des millions. Vous savez, j'arrive. Une de mes premières télés, là, à Glasgow. Merde. Et ce soir à Marigny, tous les potes, alors t'as fait Classe Mannequin. Ils vont me chanter le générique. Ah, mais rassurez-vous, on n'a pas parlé que de Classe Mannequin, on a aussi dit que vous ressembliez à Michel Leb. Voilà, donc ça. Du coup, je suis ravi, merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'on va parler cinéma. Vous-même, vous jouez au théâtre, certes, mais vous avez été à l'affiche déjà de nombreux films. J'ai regardé un peu votre filmographie et peut-être allez-vous suivre avec attention les conseils d'Isabelle Motreau. Les films qui sortent demain, on vous montre les affiches. Demain, mercredi, sortent de nombreux films en salle. Et on commence par le nouveau Batman. Batman Begins. Voilà. Stevie, vous pouvez peut-être aller aider Isabelle Motreau. Voilà. Allez, Stevie. Monte sur la... Voilà. Réaction sur l'affiche, Stevie. Ah bah oui, je la vois pas. Jean-Luc. Je suis circonspect parce que c'est le cinquième Batman. Ça s'appelle Batman Commence. Après la guerre des étoiles, ce serait bien qu'ils rangent leurs films, les Américains. Parce que moi, je... Qu'ils nous les montrent dans l'ordre. Réaction de Marie-Paul Pitts et Laurent Lafitte. Moi, il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'il y avait sur cette affiche. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on ne voit pas le nom du réalisateur, donc ça fait un peu commande. Christopher Nolan. Et alors, est-ce que c'est bien ? C'est formidable. Ah. Voilà. Pourquoi Batman devient Batman ? Alors, on sait tout sur le début, pourquoi cet enfant qui va assister à l'assassinat de son père va peu à peu prendre la cape et le masque de ce héros. En plus, Christopher Nolan, c'est un très bon réalisateur. Il avait fait Insomnia et Memento. Et là, il redonne un côté très sombre, très noir à ce héros, et en ajoutant quand même des côtés d'action, enfin des scènes d'action absolument remarquables et pas complaisantes. Parfait, vous conseillez. Ah oui, oui, Batman absolument. Begins. On absolument. Passe aux Invisibles. Les Invisibles, un film de Thierry Jousse avec Laurent Lucas, Lio, Michael Londal et Margot Abiscal. Jean-Luc. J'ai trouvé incompréhensible. La silhouette, je ne sais pas si c'est une silhouette ou si c'est le petit bonhomme du passage piéton. Je ne sais pas. et elle porte bien son nom parce que je ne l'ai pas vu cette affiche. Les Invisibles, Annie Lemoine. Ah oui, je trouve l'affiche sympa. Puis Laurent Lucas, excellent. Donc. Marie-Paul Kumps. Moi, ça me dit rien du tout. C'est vrai ? Ouais, rien du tout. Je comprends pas non plus très bien. Et la silhouette, voilà. Laurent Lafitte. Laurent Lucas, moi, j'aime beaucoup. Michael Lonsdale, j'adore. Et on le voit pas souvent. Donc, oui, ça me donne envie. Ce qui est écrit dessus, plus que l'affiche en elle-même. Que vaut Les Invisibles ? Alors, c'est très étonnant. Les Invisibles, c'est justement cette silhouette qui a intrigué un peu tout le monde. Bruno, qui est interprété par Laurent Lucas, cherche de la compagnie, on va dire, sur le réseau. C'est-à-dire qu'il téléphone, il fait un numéro. Et là, il y a plein de gens qui sont connectés ensemble, qui ont des... qui ont des pseudos et qui vont se rencontrer, et il tombe amoureux d'une voix. Évidemment, la voix, il va essayer de la rencontrer. Il va la rencontrer, sauf que cette jeune personne, qui est une femme, effectivement, qui a une très belle voix, elle ne veut pas qu'il la voie. Et donc, ils se rencontrent, ils font l'amour dans le noir, toujours à l'hôtel, toujours au même hôtel, mais elle ne veut pas qu'il allume la lumière, elle ne veut pas qu'il lui parle. Et c'est elle qui décide de tout ce qu'ils vont faire. Et ensuite, elle s'en va, il ne la voit jamais. Alors, il va essayer de la retrouver. Voilà. C'est toute l'histoire de ce film qui est assez hitchcockien et lynchien. C'est vraiment intriguant. Gérard. Ça me très envie. C'est exactement l'inverse de l'histoire de Jean-Luc Lemoyne. Il faisait l'amour, je crois, dans la lumière avec sa copine, et après, elle a éteint la lumière, elle. Non, je suis... Excuse-moi, mais est-ce que t'es pris au niveau écriture ? Parce que. Moi, j'ai toujours cru que l'électricité se mangeait à cause de ça. Parce que quand j'étais tout petit, je mettais l'oreille à la porte de la chambre de mes parents et j'entendais mon père qui disait à ma mère « Coupe l'électricité, on va s'en payer une tranche. » C'est pas vrai. Ça peut être un argument. Alors là tu fais pas des remarques sur le fond, hein, quand c'est Ruquier. Je vais te dire, le jour où tu me payeras, j'en ferai pas non plus. Film suivant, Les Poupées Russes. Alors là, évidemment, c'est le film du jour, tout le monde l'attend. C'est la suite de L'Auberge Espagnole, un film de Cédric Clapiche. Réaction sur l'affiche. Oui. Il y a un oui par ici, un oui belge et un oui de classe mannequin. Vous pouvez. Oh non. Je vais jamais travailler avec Clapiche avec vous. Ah bah c'est formidable, voilà, c'est formidable. On attendait quand même cette suite en se disant, bon, est-ce que ça va être aussi bien que L'Auberge Espagnole qu'on voit ce soir sur France 2, n'oublions pas, pour ceux qui l'ont raté. Et c'est aussi formidable. Donc c'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours une réflexion sur l'Europe et sur l'autre, sur les autres. C'est vraiment très bien. Il faut en choisir un seul. Allez, les Poupées Russes. Les Poupées Russes, mais Les Invisibles en oui, même temps. Oui, ça donne envie. Tout ce que vous avez dit donne très envie. Moi, je dis, il faut voir les trois.
Parfait. Batman, les poupées russes, les invisibles et au théâtre. Chaque soir, les uns chez les autres. C'est au théâtre Marigny, une pièce d'Alan Eggborn avec Marie-Paul Kums et Laurent Lafitte ici présent, mais aussi Nathalie Blanc, Isabelle Paternotte, Jean-Yves Rohan. C'est au théâtre Marigny, je l'ai dit, c'est un succès du moment. Merci à vous. Merci. Le 1er juin est sorti « Si tu m'aimes ». Trompe-moi, ça paraît curieux, mais voilà, c'est un principe qu'il faut peut-être appliquer si on en croit ce livre publié aux éditions de l'Archipel, livre signé Alexandra Choucroune, une psychologue, clinicienne et thérapeute de couple qui est passée récemment dans l'émission Ça se discute, en tout cas, elle s'est suffisamment fait remarquer pour qu'un éditeur lui demande cet ouvrage, en tout cas, si ce n'est cet ouvrage, un livre, et elle, elle a choisi peut-être de nous conseiller, si vous aimez, tromper votre conjoint. Elle va tenter de répondre à nos questions, à nos interrogations. Beaucoup de couples se posent cette question à quelques semaines de l'été. On sait que l'été, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je sens que ça vous travaille, vous. Hein, on sait que l'été est propice à l'infidélité. Alors, faut-il être infidèle pour sauver son couple ? On va le savoir dans un instant en invitant donc sur notre plateau Alexandra Choucroune. Bonjour, bienvenue. J'ai raconté la vérité, c'est grâce à un plateau télé sur France 2 qu'un éditeur vous a contacté. Tout à fait. Quel était le sujet ce jour-là ? Peut-on échapper à son destin familial ? C'était sur le secret de famille et les problèmes de transmission transgénérationnelle. Vous êtes mariée ? Divorcée. Ah ben voilà. Pour cause d'infidélité ? Non. Non. Non, je vous rassure. Mais quand même, ça vous a donné des idées. Ça m'a donné des idées, oui. Et puis surtout les couples que vous recevez en tant que... Surtout ça. Surtout la souffrance que je vois à travers les couples que je reçois. Parce que quand même, le problème se pose dans le couple quand un des deux membres du couple commence à se poser des questions sur la fidélité et sur l'infidélité. Vous dites une chose essentielle, je trouve, dans le bouquin. Vous dites... Voilà, concerné, en tout cas. Pas du tout. Ah oui, dites donc, vous venez... Non, mais je trouve ça très, très intéressant. Vous dites un truc qui n'est pas commun. Vous dites, il ne faut pas avouer son infidélité au conjoint. Mm-hmm. D'accord, mais est-ce qu'on peut le raconter aux potes, quand même? Oui. C'est dangereux. Oui, c'est ça. Il faut avoir confiance en ses potes, alors. Je ne connaissais pas votre livre, j'avoue, j'ai été un peu surpris. C'est le titre, déjà, qui interpelle, quand même. Si tu m'aimes, trompe-moi. Je ne pense pas qu'il y ait dans beaucoup de couples un des deux conjoints qui réclame à l'autre de le tromper, quand même. Tout à fait, mais dans le jargon un psy, on va dire que c'est une injonction paradoxale. Ah, très bien. C'est aussi un message inversé, ça veut dire si je t'ai trompé, c'est parce que je t'aime, en tout fait, à fait. Là, franchement. Tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un ami qui m'avait dit quelque chose de très amusant. Tromper sa femme, c'est la meilleure façon de lui prouver qu'on l'aime, parce que c'est la meilleure façon de lui montrer qu'on n'a pas l'intention de la quitter. Donc... Allez. Vous voyez, Laurent, aussi, hein. Des théories comme ça, il y en a plein. Hein. Moi, une amie psy, un jour, m'a dit... tromper son mari ou tromper sa femme, ça n'a aucune espèce d'importance. Au contraire, ça peut consolider le couple. Vous revenez une fois que vous avez déconné à l'extérieur, on va appeler ça comme ça, vous revenez et là, vous n'avez qu'une envie, c'est vous jeter dans les bras de votre mari. C'est vrai? C'est vrai que la tromperie n'étonne plus personne aujourd'hui, on ne va pas se leurrer. Donc, c'est surtout pour dire qu'à travers cela, je l'aborde comme un symptôme comportemental, quand il y a chronicité dans le temps et dans les sentiments. Parce que, bon, bah, des écarts, tout le monde peut en avoir. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que derrière ce symptôme comportemental d'adultère, peut se cacher des enjeux beaucoup plus profonds et qu'on ne soupçonne pas. Pas toujours. Annie Lemoine, ça vous a intéressé ce sujet ? J'ai lu ça avec intérêt. Je ne crois pas que le bouquin puisse apporter des recettes, en fait. Pardonnez-moi, hein, je vais être très... Parce que, comme vous le dites à la fin, je suis assez d'accord avec C'était vous. C'était pas mon but en même temps. Hein. Bah, vous en proposez quand même. Quand éviter vous dites, le voilà, tu accusateur. Éviter le tu, employez le jeu. Par exemple, ne dites pas tu me fais mal. Dites j'ai eu beaucoup de peine lorsque tu m'as dit que. C'était facile à dire. Ouais. Ne dites pas tu n'es jamais là. Dites j'ai besoin de toi. Enfin, tout ça, j'y crois pas, moi, du tout, à cette, apprendre un langage comme ça. On dit ce qu'on a au fond de soi, et puis tant pis la façon dont on le dit. Mais en même temps, pour pas que l'autre se sente agressé, il faut quand même employer des mots qui ne sont pas accusateurs. De la même façon. Pour ne pas accuser l'autre. Ouais, vous distinguez aussi deux adultères, l'adultère pour rompre et l'adultère de complémentarité. Pour moi, tout ça n'a aucun sens, quoi. Moi, je me réfère à la
biochimie, des docteurs en neurosciences qui disent que, écoutez, l'amour dure 3 ans, en gros, quoi, que la chimie fonctionne pendant 3 ans, on est amoureux. C'est quoi ces conneries? C'est vrai. Mais enfin, ça va pas. C'est vrai, si. Mm-hmm. On a une chimie qui fonctionne pour 3 ans. Ça fait 3 ans, moi, je suis en train de... Vous remercie de ce détail. Non, mais c'est vrai. C'est quoi, mais c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est l'état. C'est l'état fusionnel qui dure en réalité 2 ans. Quand la science se mêle de l'amour, ça fait un certain nombre de conneries. Non, mais moi j'y crois beaucoup. Moi j'y crois beaucoup. C'est comme ça que l'espèce a... C'est comme ça que l'espèce a survécu, Gérard. Tilly. Déjà pour commencer, je voulais vous dire que vous avez vraiment de très beaux yeux. Alors là, je suis scotché. Ils sont pas dans le livre, hein, je vous promets, les spectateurs. Non, moi, écoutez, déjà, je suis infidèle. Je n'arrive pas à être fidèle, ça m'emmerde. Et puis si mon partenaire a un partenaire, eh bien qu'on s'amuse à trois, c'est mieux. Mais non, mais c'est vrai. Ça m'est arrivé d'être très... Il a raison, dit-elle. Oui, vous avez raison. Mais, parce que le sexe est toujours tabou dans un couple. Alors que ça ne devrait pas être tabou, ça devait être un jeu. Oui, non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Tout à fait, mais dans cette perspective, il faut être deux. Voilà. Mais oui, c'est pour ça, parler d'abord. Et déjà, parce que c'est tabou. Je sais que c'est tabou, alors qu'il faut en parler. Moi, j'aimerais bien une troisième personne dans le couple. Vous dites, il faut être deux, pas seulement. Il faut avoir une femme pas trop moche, parce que pour les changer, ça va être difficile. Ça m'a paru étonnant, parce que on pense plutôt le contraire, alors c'est peut-être une idée reçue. Vous dites qu'il n'y a pas plus d'infidélité dans les couples homosexuels que dans les couples hétérosexuels. Je pense que c'est une idée reçue. Je pense que c'est surtout pendant la recherche identitaire et l'affirmation identitaire que là, il y a une recherche et qu'il y a justement une liberté qu'on s'autorise. Et lorsqu'on est bien avec quelqu'un, je pense que là, quand un couple est formé, que ce soit un couple homo ou hétéro, pour moi, il n'y a pas de différence. Gérard ? Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, Alexandra. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Alexandra. Il a lu votre livre. Oui. Bon, ça va, alors, quand vous faites, vous, un petit truc, tout de suite, on reprend, et là, à chaque fois. Oui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je t'emmerde parce que si tu l'as pas remarqué, c'est moi le chef, ici. Alexandra. Donc, vous avez lu son livre. Oui. Alexandra. Oui. Alexandru, il a lu votre livre. Alexandra, j'ai lu votre livre comme un livre plaisant et absolument pas sérieux. C'est-à-dire que je l'ai lu exactement comme je regarde à l'occasion une émission de La Rue ou que je lis un magazine féminin, sans penser que tout ça soit très scientifique. Je prends un exemple, simplement. Laurent vous interrogeait sur les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. C'est évident qu'il y a une grande différence. C'est d'abord la différence entre le désir masculin et le désir féminin. Je fais une différence entre l'infidélité masculine et féminine. On appelle l'infidélité masculine comme étant l'homme est un infidèle, on va dire, sexuel, puisqu'il arrive bien souvent à dissocier sa sexualité de ses sentiments, et la femme est ce que l'on appelle une infidèle monogame, c'est-à-dire que malgré tout, elle a quand même beaucoup plus de mal à dissocier ces deux volets. Et il m'est arrivé d'entendre des récits de femmes qui avaient l'impression de tromper leur amant en continuant à coucher avec leur mari. Donc ça prouve que dans leur cœur, malgré tout, il n'y a quand même qu'une personne. Mais c'est important, parce que vous dites aussi, la question qu'on peut se poser, c'est où commence l'infidélité quand même? Et dans votre livre, il y a une étude comme quoi, pour les femmes, l'infidélité commence dans un dîner en tête-à-tête, pour 36%, et pour 9% par une fellation. Est-ce que ça veut dire que si on dîne pas et qu'on se fait directement, c'est moins grave? C'est ça qui peut... Il y a un test aussi, hein, ça c'est très intéressant. Parce qu'il y a un test pour voir si celui qui lit, le lecteur, a un terrain, on va dire, favorable ou pas à l'infidélité. Et on a fait faire ce test à mes petits camarades. Ce qui est surtout amusant pour moi, c'est que j'ai leur réponse. Il y a des conjoints ou des conjointes que je vais appeler sitôt l'émission passée. Hein. Moi, je l'ai fait. Jean-Luc Lemoine, contexte favorable à l'infidélité, Jean-Luc. Tu vois, chérie, c'est pas moi, c'est la médecine. Annie Lemoine, risque non significatif au terrain favorable. Parfait. Vous allez plutôt être fidèle. Stevie, terrain favorable à l'infidélité. Oh, je le dis de toute façon. Péricochin, terrain favorable à l'infidélité. Non, c'est pas vrai. Ah, puisque je vous le dis, on a fait... Fini la phrase aussi, c'est pas drôle. Parce que là, je passe pour une grosse salope, alors que c'est pas le cas. Bah, c'est du coup, c'est drôle.
Terrain favorable. Gérard Miller, risque non significatif. Bravo, Gérard. Je ne vous dis pas bravo pour le résultat, je vous dis bravo pour votre facilité à déjouer les tests. Isabelle Motreau, risque non significatif. Ah, je m'en doutais. Juste une question, Laurent. Est-ce que deux risques non significatifs peuvent coucher ensemble? Ça ne prête pas à conséquence. Hein, voilà. Non, ce qui est génial, c'est que moi, j'ai le détail. Alors, il y a une question, c'est pour en arriver au résultat, c'est vous demander est-ce que vous avez déjà pensé à tromper votre conjoint? Et je tiens donc à disposition des conjoints et conjointes de mes chroniqueurs les noms de ceux qui ont répondu oui. Si tu m'aimes, trompe-moi, c'est chez l'Archipel, c'est signé Alexandra Choucroune. Avant que vous nous quittiez, je vais vous demander de rejoindre Perry Cochin, puisque nous rejoint sur notre plateau quelqu'un qui vient témoigner sur l'infidélité. Elle s'appelle Anne-Sophie de la Coquillette. Car je crois, bonjour Anne-Sophie. Les coquins, bonsoir à tous. Vous avez été choqué par ce qui s'est dit sur ce plateau. Diable, hein. Oui. Vous pensez évidemment que l'infidélité n'a pas sa place dans le couple. Diable, non, mes créants. Ah non, 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 c'est affreux. Je prône même un retour aux valeurs traditionnelles. D'ailleurs, je profite de ma présence ici pour crier aux valeurs, aux valeurs. Attention. Non, parce que si l'infidélité fait irruption dans le couple, c'est n'importe quoi. C'est la braguette ouverte à toutes les dérives. C'est l'orgie collective. Après, tout le monde couche avec tout le monde. Allons-y, Motreau et Miller. C'est la fête. Non, non, mais vous vous rendez compte? Ce serait scandaleux, toucher ma bosse. Allons-y, open bar dans les slibards. Non, hé, Laurent, calmez-vous. Vous êtes un peu vulgaire, hein, je vous... Là, vous êtes en train de dépasser les burnes, hein, je le vois. Comment vous assurez-vous, vous, de la fidélité de votre conjoint? Alors, nous, c'est très simple. Avec Jean Childebert, nous avons basé notre relation sur la confiance mutuelle. Oui, et pour preuve, le jour de notre union, je lui ai dit Son petit sobriquet, bien sûr. Oui, son Childebert. Ça ne peut rien dire. Jean Childebert, c'est son petit nom. Oh, les gens. Alors, je lui ai dit Jean-Chi. J'ai regardé, comme Jean ça. Childebert. Comme je vous regarde, voilà. Je lui ai dit Jean-Chi. Jean Childebert. Voilà, c'est le désolé. Parce qu'il est coquin, vous êtes coquinou, hein. Je lui ai dit Jean-Chi. S'il t'arrivait un jour de me tromper. Oui. On ne sait jamais, par mégarde, par égarement. Eh bien, sache que ce jour, je t'abattrai de sang-froid avec un coup de vin de long rive dans les parties génitales. Voilà ce que je lui ai dit. Mais voilà, voilà, comme quoi le dialogue et la tolérance sont la clé de voûte de notre couple. Alors, hein. On peut dire que vous avez trouvé les moyens pour calmer les ardeurs de votre mari. Oui, enfin, je ne suis quand même pas si dure. Hein. Je veux dire, moi, je suis conciliante quand même avec lui. Oui, je lui laisse un petit peu de mou. Hein. Par exemple, je l'autorise tout à fait à regarder des films X de temps en temps. Ah, oui. Attention, uniquement ceux dans lesquels je joue. Ah, oui. Non, sinon... les gens sont hystériques. Je vais venir avec la famille qui donne. Ah, je ne connais pas ces personnes. Du coup, je ne me rappelle plus du tout. C'est un peu excessif. Qu'est-ce que je vous disais? J'en suis... Ah! Je lui ai dit... Bon, ça s'est fait. Qu'est-ce que vous lui ai dit? C'est mon texte, hein? C'est le pain. Bah, c'est votre texte, mais c'est... Non, voilà, les films dans lesquels je joue. Oui, parce que chaque année, je joue dans des films avec une bande de Slovaques, des collègues. Oui, les frères Bitovic. Ils sont très sympathiques. Ils sont 16. 16 frères. Ah oui, on s'amuse. Alors là, ainsi, on peut dire que je calme 16 ardeurs, comprenez? 16 ardeurs, comprenez le jeu de mots? Allez-y, riez maintenant. Allez, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Jean-Chi ne me trahit pas. Non, Jean-Chi ne me trahit pas quand il regarde ses films, vous comprenez? Puisque c'est moi, sur l'écran, je lui fais même des petits coucous pendant le tournage. Mais est-ce que vous avez d'autres recettes? Parce que là, Mme Choucroune nous conseille quasiment de tromper son conjoint. J'exagère, je caricature. Non. Mais vous avez, j'en suis sûr, des recettes pour qu'on puisse faire durer un couple. Écoutez, moi je crois que le secret de la longévité, c'est de durer le plus longtemps possible. Alors je vous ai pas posé la question, non, mais... allez-y, je vous en supplie. Vous, Anne-Sophie, est-ce que... Parce que là, on a parlé de Jean-Chi, votre époux, mais vous, est-ce que vous n'avez pas eu, vous, envie d'aller voir ailleurs? Oh, ça me titille de temps en temps, c'est vrai. Mais alors, j'ai trouvé une solution radicale. Pour me passer l'envie de le tromper, vous savez ce que je fais? Je couche régulièrement avec son meilleur ami. Voilà. Comme ça, je n'ai plus du tout envie de le tromper, vous comprenez? Ah oui. Comme quoi, on peut trouver des petites facilités, des petits arrangements, hein, pour rester fidèle. Voilà, moi j'ai terminé, mon ami. Démerdez-vous, trouvez le mot de la fin. Eh bien, je vous remercie. Voilà, très bien. Je vous remercie pour votre fidélité. Oh, gentil. C'était Anne-Sophie de la Coquillette. Merci, et merci à Alexandra Choucroune. Si tu m'aimes, trompe-moi chez l'Archipel. Nous allons maintenant accueillir
Marc Lavoine, qui le 23 mai dernier a sorti ce tout nouvel album, très bel album DVD intitulé L'heure d'été. Ce nouvel opus semble parti pour connaître le même succès que les précédents. Son premier single actuellement en radio, Je me sens si seul, est déjà un tube. Et le 15 novembre prochain, vous pourrez retrouver Marc Lavoine sur la scène du Casino de Paris. On sera déjà passé à l'heure d'hiver, mais ça n'a pas d'importance pour recevoir tout de suite celui qui donc publie ce nouvel album L'heure d'été. Voici Marc Lavoine. C'est vrai qu'avant même d'écouter cet album, CD et DVD, c'est un beau produit, comme on dit. Oui, c'est un joli. Ah non, ils ne se sont pas foutus de vous à la maison de disques. Non, ils ne se foutent pas de nous, non. L'heure d'été, nouvel album de Marc Lavoine, avec une chanson qui cartonne déjà. On voit le clip régulièrement à la télévision. On en regarde un extrait tout de suite. Avec plaisir. Je me sens si seul. C'est vrai, je rêve trop. Il est vrai que je t'aime un peu trop. C'est vrai, c'est trop. Je le reconnais. C'est vrai, c'est beaucoup trop. Mais moi, tu sais que c'est vrai. Je me sens si seul. Tu me manques tant que j'écoute le souffle du vent. Tu me manques tant. Je me sens si seul. Marc Lavoine, nouvel album, nouvelle chanson, Je me sens si seul. Ce qui est bien à chaque fois, c'est que c'est une couleur différente. Oui, ouais, celui-là, c'est un album sur l'espérance. Enfin, j'ai voulu mettre une sorte de petite caméra dans l'appartement de personnes qui s'aiment. Et puis aussi de travailler sur des sentiments solitaires, comme donc la solitude et des chants de papillons, l'heure d'été. Il y a une chanson, un duo avec une jeune vietnamienne, qui s'appelle J'espère. Voilà, j'ai essayé de travailler le mieux possible. Alors là, sur cet album, on a le CD, mais aussi sur le DVD, les clips de combien? Trois chansons. Ouais. Annie Lemoine. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Non, mais vraiment, quoi, c'est impressionnant. Je ne sais pas comment vous faites, parce que vous parlez toujours d'amour, donc le sujet est le même. Vous vous renouvelez, même musicalement. C'est entièrement bien. Je ne peux pas dire autrement. J'adore, quoi. C'est une grande, grande, grande qualité. C'est d'une poésie. Moi, ma préférée, c'est « Tu m'as renversée » et c'est deux lignes. C'est parce que t'en rêves. Arrêtez. C'est deux lignes. Elle tient debout depuis que tu l'as renversée, ma vie. Tu vois, c'est bien écrit, c'est infiniment poétique. Et je ne peux pas vous dire, moi, Voilà. Pour faire les chansons, hein, je ne suis pas tout seul. Hein. Je voudrais vous poser une question. En fait, vous vous engagez en dehors de votre album, par exemple, avec l'association, la coalition de 2005 plus d'excuses, c'est ça? Plus d'excuses, oui. Plus d'excuses. Et vous interpellez donc le gouvernement français pour l'annulation de la dette des pays pauvres, l'augmentation de l'aide au développement, instauration de règles commerciales et lutte contre l'évasion fiscale. Des sujets très sérieux et très, très politiques. Non, mais des beaux sujets. Politique, oui, ben, oui, politique, oui. Oui, enfin, en tout cas. Et alors, ça, de tout ça, de cet engagement, aucune trace dans les chansons et dans l'album. Ouais, je trouve qu'il faut, quand on parle d'un truc, il faut parler d'un sujet, pas, essayer de ne pas télescoper, parce que je travaille aussi avec les Restos du Cœur, je travaille aussi avec... Le Papotin, Sésame Autisme, Autisme France, aussi avec le collectif contre les discriminations, tout ça est un peu dans le même domaine. Donc j'ai un petit papier là à ce propos justement, il y a une pétition sur le net. Allez-y. À ce propos là, c'est ce petit bracelet. Il y a une marche blanche avec le bracelet, donc Autre cas des rôles, 1er juillet, dans 30 villes de France. Bref, j'en ai amené quelques-uns. C'est un week-end de mobilisation mondiale contre la pauvreté, les 1er et 2 juillet prochains. Il y a un rendez-vous à Paris au Jardin des Tuileries à 18h. On va regarder tout de suite un extrait justement de cet appel. Toutes les 3 secondes, un enfant meurt à cause de l'extrême pauvreté. Un enfant. Un autre. Encore un autre. Signez la pétition contre la pauvreté par SMS au 61 199. Annie. J'ai pas eu la réponse à ma question, peut-être parce qu'elle était mal formulée, donc je la repose. Pourquoi l'engagement de l'homme que vous êtes, qui est dans la vie, ne transparaît pas sur l'album? Est-ce qu'il n'y a que l'amour qui vous inspire? Non, non, je pense que ça transparaît aussi dans le disque, sous une autre forme. C'est-à-dire que c'est raconter les choses d'une manière poétique, c'est pas obligatoirement
brandir un étendard, à idée dans ces salles à France, dans Paris, les chansons sur la prostitution, les mélanges des genres aussi, chanter Paris avec Swann Massy, c'est une position artistique importante aujourd'hui en France et dans les pays européens où le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie montent. Moi, j'ai choisi de dire aux gens que je les aime et c'est parce que c'est vrai. Donc c'est un message qui est particulier, qui est le mien. Je le sais, je ne sais parler que de cette manière-là. On revient justement, grâce à vous, à cet album L'heure d'été, Gérard Miller. Il y a des fois, on a envie de vous rappeler que lorsque vous étiez petit, vos copains vous appelaient Bouboule, parce que vous étiez un petit peu gros. Parce qu'aujourd'hui, savoir que vous êtes un des meilleurs chanteurs français, que vous êtes, c'est vrai, un des hommes engagés comme on les aime dans le show business, qu'en plus vous plaisez aux filles, de temps en temps on se dit que c'est trop. Bon comédien aussi. Bon comédien, comme on l'a vu encore récemment dans Le Cœur des Hommes, attendant de jouer au théâtre, ce que j'espère arriver, je trouve que ça fait beaucoup pour un seul homme. Donc, si ça ne vous ennuie pas, je vous appellerai Bouboule jusqu'à la fin de cette émission. Perry Cochin, vous avez écouté l'album? Oui, j'ai adoré. D'ailleurs, ce sera le seul album que j'emmènerai cet été en vacances. En boucle. C'est gentil. Bon. C'est déjà un bon point. Alors après... Il faut dire qu'elle prend tellement de bagages, son mari lui a dit « t'as le droit qu'à un CD ». C'est pas vrai, je voyage très léger. Mais c'est vrai que vous êtes à poil tout l'été, j'avais oublié. Jean-Luc Lemoine. Moi, Jean-Luc. J'ai adoré l'album et on sent que vous êtes fait plaisir et vous nous faites plaisir. Vous laissez rien au hasard. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes superstitieux? Oui. Et est-ce que vous avez fait exprès de ne pas mettre de 13e morceau? Oui. Ah oui, ouais, c'est oui, passe de 12 à 14, ouais, bravo. Comme dans les avions, les trains, les hôtels, les ascenseurs, j'évite ouais, le 13. Stevie, sur l'album? Bah, l'album, moi j'ai adoré. Bah, surprise, parce que c'est ça qui vient dans cette émission, c'est que j'apprends à connaître des personnes que je ne connaissais pas. En revanche, toutes mes copines, alors là, dès qu'on parle de vous, ça dilate. C'est, ah, il est beau, il est gentil. Oh, quelle horreur! Mais non, mais c'est vrai, mais vous pouvez pas savoir à quel... On donnera les adresses. Vous pouvez pas savoir à quel point... Je cherche des rimes. Vous pouvez écrire des chansons d'amour, parce que t'as les mots. Vous ne pouvez pas savoir à quel point elles vous aiment. Oui. Et la question qu'elles m'ont demandé de vous poser, donc je parle en leur nom. Alors, je sais que vous avez travaillé à l'Olympia de 17 à 20 ans, mais quel a été le déclic pour avoir choisi comme métier chanteur? Déjà, c'est parce que vous avez un talent, mais comment? Est-ce que vous avez été aidé? L'envie? Pourquoi? C'est ça que la question que veulent savoir les gonzesses. Mais oui, c'est ça. Ah, elle non, me demande, elle me demande des questions un peu plus osées, mais je dirais jamais ça. Non, elle doit se demander, alors toujours pris. Est-ce que c'est un bon coup? Enfin, j'en ai pas de questions, mais bon, je vais pas poser ça maintenant. Eh ben, je vais te poser la question au nom des copines. Est-ce que vous êtes un bon coup? Ça dépend pour quelques filles. Elles sont sûres que oui, donc. Non, mais franchement. Non, mais c'est parce que j'avais très envie de rencontrer certaines personnes. J'avais envie, d'abord, Philippe Cobert, j'avais très envie de le croiser. J'avais envie de voir Jacqueline Maillan. J'avais envie de rencontrer bon, des gens qui ont disparu, mais Romy Schneider, Paul Meurice. J'étais ébloui par Ingrid Bergman, par Monica Vitti, Alain Delon. J'étais ébloui par Serge Gainsbourg, Dutronc, Hardy. C'est par eux, grâce à eux, que j'ai réussi à discerner un petit peu le monde. L'heure d'été, c'est le titre de l'album de Marc Lavoine, nouvel album. Il sera sur scène, Marc, du 15 au 27 novembre au Casino de Paris. Il y aura une tournée, évidemment, à travers toute la France. Et une nouvelle rubrique dans cette émission, depuis votre dernier passage, une rubrique qui s'appelle « Votre vie en photo ». Et c'est Jean-Luc Lemoine qui la signe, la vie de Marc Lavoine en photo. La vraie vie de Marc Lavoine. Donc, qui est vraiment Marc Lavoine? Premier point, disons-le tout net, Marc n'a pas toujours eu ce joli visage et ce joli profil. Non, au début, de profil, Marc ressemblait à ça. En fait, pour avoir ses traits réguliers, il a dû faire de la chirurgie esthétique. Là, on le voit juste après l'opération. Deuxième point, si Marc Lavoine a beaucoup de succès, c'est en fait un homme seul. Car même si c'est un bon camarade, il a un gros handicap, il bave beaucoup. Et ça, non seulement ça lui fait honte, mais en plus, ça fait fuir tout le monde. Résultat, quand il va au restaurant, la salle se vide immédiatement. Quand il va au parc, le jardin devient zone sinistrée en 2 secondes. Et quand il va dans une pièce, même les meubles se font la malle. Alors, pour tromper la solitude, Marc parle au tableau, ou de temps en temps devient foufou et s'amuse à sauter du haut d'une marche. Oui, c'est triste et ça empêche Marc de dormir. Pourtant, il essaie de dormir, mais il ne trouve jamais la bonne position. Alors, en pleine nuit, il se relève et repense au commencement de l'histoire. Au début, Marc était un élève normal, même s'il avait la particularité d'écrire avec 2 stylos en même temps.
Plus tard, il se fit remarquer en étant le seul pompiste de l'Essonne à s'habiller en blanc. Et franchement, s'habiller en blanc quand t'es pompiste, faut être un peu con. Et puis un jour, ce fut la télévision. La révélation plutôt, ça n'a rien à voir. En se regardant dans la glace, Marc s'aperçut qu'il était le sosie d'Enrico Macias. N'hésitant pas, il prit un taxi pour Paris et alla proposer ses maquettes aux maisons de disques. Mais il ne fut reçu qu'avec des sourires moqueurs. Marc était dégoûté, ne sachant plus quoi faire de sa vie. Pour mieux réfléchir, il se fit greffer une main et prit une décision qui allait changer sa vie, s'engager comme Géo au Club Med. Marc profita de tous les avantages du Géo, mais il n'oubliait pas sa passion, la chanson. Et puis un jour, ses copains Géo lui donnèrent la bonne idée, reprendre Agadou. En exclusivité, des images du premier concert de Marc Lavoine. Est-ce que vous êtes prêts au fond pour reprendre Agadou? Ah, Agadou, dou, dou, poustanana et moule café. Agadou, dou, dou, poustanana et moule café. Le triomphe fut total. Marc devint numéro 1 en France, reconnu par ses pairs. Là, on voit Marc qui est invité chez Dev pour une raclette. Succès donc, histoire d'amour avec des stars. Comme Mimi Mati qui a pris elle-même cette photo. Histoire d'amour, mais... Ben quoi, elle est pas floue, ça va. Histoire d'amour, mais histoire courte. Car Marc est un homme étrange. Alors qu'il pourrait avoir toutes les femmes à ses pieds, quand il se retrouve avec deux nanas au pen, il préfère lire des BD. Un homme si bizarre que sur un coup de tête, il est capable d'aller voler les fringues de Stevie. La vérité, c'est que Marc aime juste jouer avec son image, car si on le connaissait mieux, on s'apercevrait que ce qui est vraiment étrange chez lui, c'est qu'il a une vie très normale. Belle chute! Vous avez revu des photos que vous aviez oubliées. Ouais, ouais. L'album DVD et CD, alors rappelons-le, il y a trois clips avec les chansons de cet album. Ça s'appelle L'heure d'été, c'est signé Marc Lavoine. Et pour nous, maintenant, il est l'heure du... Qui a déconné? Tony Blair, dont on a évoqué d'ailleurs en début d'émission, eh bien, la fâcherie avec Jacques Chirac. Il ne veut pas que l'Angleterre, lui, Tony Blair, ajoute un peu d'argent à la contribution donc, britannique pour l'Europe. Il dit que, auquel cas, il faudrait peut-être à ce moment-là réviser la politique agricole commune. Tony Blair qui nous emmerde, quoi. Alors 0, 10, 20 ou 30 points. On est français avant tout et on défend les positions de la France. Je suis d'accord. On a une idée simple, c'est quand on est riche, on peut payer plus. Ça me semble pas du tout une chose compliquée à comprendre pour un Anglais. Isabelle ? Voilà, moi je suis pour les idées simples de Gérard, qui en a peu, des idées simples, mais celle-là est bonne. Stevie ? Bah moi je trouve que c'est un très bon homme politique et je lui mets zéro parce qu'il défend les intérêts de son pays à lui. Et alors ? Il a bien raison de dire. Oui, dans 30 points, le maximum qui nous regarde davantage, nous, plus que les États-Unis. Jean-Luc ? 30, il faut qu'il paye, sinon il met des petits moteurs à son île et il part d'Europe. Marc Lavoine. Je suis d'accord. Allez. Je suis d'accord. 30 points total pour Tony Blair. 180 points. Jean-Pierre Raffarin maintenant. Alors pourquoi Jean-Pierre Raffarin, vous allez me dire, j'ai une bonne réponse, juste pour pas qu'on oublie. 0, 10, 20 ou 30 points, Perry. Non, ça y est, on a... 30 points, qu'il soit bien haut dans le kick à déconner, qu'on... Et qu'on n'en parle plus. Ouais. Ben, comme ça, on va pas l'oublier en même temps. Voilà, Gérard. Je suis d'accord avec votre thèse, ne l'oublions pas, 30 points pour l'ensemble de son œuvre. Isabelle Motreau. Moi, j'ai toujours mis 30 points, je mets toujours 30 points. Stevie. Moi, j'ai toujours dit que tant qu'il m'avait pas donné mes 45 millions, ça serait 30 points à tous les premiers ministres. Voilà. 45 millions toujours pour? Le tramway. Le tramway du... Mans. Voilà. Annie Lemoine. 30 points pour pas oublier Raffarin et pour pas oublier Barnier qui faisait partie de son équipe aussi et qui a largement contribué à la libération d'Aubenas. Et à la place de Doust, moi j'aurais emmené Barnier dans l'avion, non? Ah. Mais alors pourquoi tu mets 30? Je... Pour, mais pour dire que... Bah, c'est le truc de Laurent, il dit faut pas oublier. Ben non, on l'oublie pas, on le met en tête des votes. Et voilà, exactement. Ah oui. Et oui. Ah bon, alors faut pas que je fasse ça, moi. Je sais pas, ça, moi. Ça dépend. Écoutez, on s'en fout. Oui, oui. Faut pas chercher d'explication à tout ici, okay, vous savez. Jean-Luc. Moi, personnellement, je trouve que c'est honteux de s'acharner sur un homme qui n'est même plus là. 30 voilà. Points. Marc Lavoine. Je sais pas comment ça fonctionne. 0, 2, 0, c'est très bien, 0. Ça équilibre un peu. Oui, parce que quand même, voilà. il en a pris déjà un. Ben, hein, il en a pris suffisamment. Va, un petit hommage voilà. Au Poitou, la région qui maintenant est obligée de se le fader. Non, franchement, voilà. Total pour Jean-Pierre Raffarin, 180.
L'heure d'été, un album qu'on conseille à Ferry Cochat avant qu'elle décide de l'emmener cet été. C'est signé Marc Lavoine. On vous retrouve demain. Bye bye, merci beaucoup. Merci. Merci Serge.